voilà qui conclut notre étude de cas pour aujourd'hui. Donc pour la prochaine fois, je voudrais que vous me fassiez un référencement SEO, SIA, ok? C'est toujours ok pour ce soir? T'inquiète, c'était qui a la bouffe? Je sais pas moi, c'est le boisson mec. T'inquiète, je sais pas. De rien mec. Ah mais du coup on dort en classe? Non, on va à la 313. Pour chiffre 13, vraiment original les gars. Oh déjà. Pour demain, oubliez pas les exercices et d'arriver à l'heure, n'est-ce pas Riyad? Je serai là avant vous monsieur. On y croit. Allez, à demain. C'est bon, le prof est plus là. Ok, go. Attends, attends, attends. C'est bon. Bah, il n'y a plus qu'à attendre. Il manque qui d'autre du coup? Je crois qu'il y a Camille, mais elle est en train de chercher les films d'horreur. Cool, mais elle est où? Bah, elle doit être cachée quelque part, je sais pas. Mais sinon, on y va, les gars. Ok, attends encore un peu. Ah, c'est bon, elle est plus là. Allez, go! Putain, les gars, c'est fermé. On va faire comment? Vous m'avez pris pour un amateur? Et voilà! Oh wow, le fou! Putain, mais comment t'as fait, mec? Franchement, je suis impressionné. Hein. Bon, les gars, on bouge les tables, on s'attend? Vas-y. Où est là? Mais toi, tu veux. Et la galanterie? Pourquoi on a choisi la E313 en fait? Vous voulez savoir? Cassez-vous. Vous savez pourquoi les fenêtres elles sont surélevées dans les établissements scolaires? Je sais pas, pour pas être dérangé. Pour accentuer l'effet prison. Non, j'aurais aimé que ce soit ça, mais la raison elle est bien plus sombre. Je vais vous le raconter. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelait Marie. Elle était moche parce qu'elle avait des problèmes de santé. Tu peux arrêter de faire le con, s'il te plaît? Excuse-moi. Ok, merci. Bon, j'en étais où? Ok. Cette fille-là, elle se faisait insulter de partout. Et des moqueries tout le temps. Un jour, elle en a eu marre. Et vous savez ce qu'elle a fait? Non. Elle a ouvert la fenêtre. Elle a sorti un pied. Puis l'autre. Après, elle s'est lancée en avant. Et elle est morte? Non, non, elle volait, à ton avis. Et détendez-vous, j'ai les films, les gars. Sérieuse? En parlant de film, les gars, d'ailleurs, j'ai ramené un film de ouf! T'es deux WAM, j'ai pris FIFA! Putain! Bon, je vais pisser. Rendez-vous fier! Bon, je démarre le film! Putain, comme par hasard, il est pas là! Putain, les gars, c'est pas trop qui c'est qui est dans la lumière, sérieux! Ce que c'est. Mais mec, t'es con, t'as jamais vu de film d'horreur? C'est bon, là, c'est la réalité. Un peu de courage, s'il vous plaît. Oh putain, wesh, les gars, c'est pas normal. Putain, c'est quoi? Putain, c'est le DVD! C'est trop tard, c'est ta faute, il a voulu rester. Il a voulu rester. Les escaliers. Super les gars, c'est trop cool ce soir, bien joué. D'ailleurs j'ai bien aimé ton coup dans la salle de classe, d'ailleurs comment t'as fait? Parce que c'était pas... Ah non, dans la salle de classe c'était pas moi, je pensais que c'était toi. Quoi? Mais non, c'était pas moi. Par contre l'ascenseur, je vous jure, c'était trop bien. Attends, quoi l'ascenseur? Ah non, mais c'est pas moi. Non, c'est pas moi non plus. Quoi? Il y a un truc bizarre. Ouais, on y va. Non, oui.